Salut tout le monde, c'est Nazmand qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour Commando 2, pour celui qui a dit « Mais c'est quoi ce jeu ?» Ben voilà, c'est Commando 2, c'est un vieux jeu, donc voilà. Je suis en compagnie de Tiger Wolf, salut Tiger. Salut à tous. Et on se retrouve aujourd'hui pour la mission « Les canons de Savo ». Ouais, je sais pas ce que c'est exactement les canons de Savo, mais ok. Moi je me rappelle. Le 28 mai 1942, les Alliés remportent... On a vraiment obligé de laisser ça à chaque fois. Ouais. Brisant net la progression japonaise dans le sud pacifique. Et rétablissant un peu l'équilibre des forces. Mais ce mec, il est d'un déprimant. Bah, laisse-les-moi écouter. Les en juillet, les Alliés ont commencé à mentir la sonnette d'alarme. Les Japonais ont construit un terrain d'atterrissage sur la plus grande des îles Salomon, Guadalcanal, d'où ils comptent reprendre leur offensive. Le haut commandement allié élabore un plan d'invasion de l'île. Une opération dont le nom de code est Watchtower, le plus important assaut amphibie depuis le début de la guerre. Amphibie ? Mais sur la route des Alliés, amphibie. Se dresse un sérieux obstacle. L'île de Savo, située au nord de Guadalcanal. Solidement fortifiée. Je me demande s'ils ont repris ça d'événements réels. Normalement, oui. Qui la rendent invulnérable aux bombardements. Bonne partie. Vous qui nous regardez là, pendant que vous regardez la vidéo, allez voir sur Wikipédia si Guadalcanal, Watchtower et tout ça, ça existe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce serait intéressant de savoir s'ils ont juste inventé des scénarios ou. Normalement pas. Par contre, c'est une mission de merde. Ah, oh, un requin. Stop, on est assez près. Bon, putain, mais. Ces canons, pas de nous faire exploser la tête. Voyons la carte. Bon, défense aérienne, garde-côte, poste de guet, patrouille de DCA. Ah ben. J'aurais besoin d'explosifs. Il y a une hutte qui leur sert d'arsenal. On va s'amuser, je te le dis tout de suite. Ouais, je me doute. Je crois qu'on est repéré. Là-bas. Alors, là-bas. Oui, ça fait deux vidéos de suite de Commando, mais tant pis. Hein. C'est qui ça? Naufragé. Ouais, et il n'a pas l'air en grande forme. On peut aller voir ça de plus près. Il a l'air taré. Il a l'air pas très frais, ça c'est clair, mais... c'est toi le pilote, alors. Ah. Ça se contrôle avec tes touches, ça? Oui, non. Tu fais juste gaffe de pas t'approcher trop des canons, parce que sinon on va se prendre un boulet de canon dans le fion. Bah, il faut aller sur la plage, non? Oui, mais t'y vas mollo. Non, avancez, pas reculer. C'est mieux, tu verras. Ce truc arcane là qui a envie de te bouffer le fion. Laissez-moi descendre. C'est possible. Comment on fait pour descendre déjà? X. Non mon gars. Tu te calmes. C'est bon, j'ai tout le monde. Non, t'en as deux, j'en ai deux. J'écoute. Ah bah je vais lui parler. Vas-y. Sergeant Wilson au report. Brigade légère des lanciers au service de Sa Majesté la Reine Victoria. À ma grande honte, j'ai oublié mon numéro de matricule. Enfin, si vous me permettez, je prendrai volontiers une tasse de thé. Vous n'en avez pas? Oh mon Dieu, l'armée n'est plus qu'elle était. Plus de 20 ans sans une seule tasse de thé. Une vraie malédiction. Et le dernier gentleman qui est tombé du ciel n'en avait pas non plus. D'ailleurs, les démons l'ont mis à décompter, pauvre homme. Parce qu'il faut vous dire que mon île a été envahie par des démons. J'ai moi-même su leur apprendre à me respecter, mais on peut craindre que ces sauvages nous vous écorchent vifs s'ils vous prennent. Heureusement, ils sont très distraits. Et si vous vous fendez dans la végétation, ils ne vous remarqueront sans doute pas. Ah, et ne laissez pas le tonnerre vous effrayer. Oui, le tonnerre. On l'entend gronder tous les jours, vous savez, et il résonne dans les tunnels comme pour vous empêcher de dormir. Il est terrible, ce tonnerre, vous savez. Moi, je veux bien vous aider avec ma tonnerre. Il m'énerve déjà. Si vous pouvez le faire taire une bonne fois pour toutes, parce que vraiment, je ne supporte plus, vous savez. Non, vraiment, je ne supporte plus. Il a juste pris un peu trop le soleil, c'est tout. Un peu trop le soleil. Oh, toi, mal à tout. Alors, ceux que tu utilises pas, tu les planques pour l'instant, parce que... Bon, bah, le plongeur, il va rester ici. Bah je vais le laisser ici hein. Hop. Je vais. Moi je les fous dessous comme ça, je suis tranquille. Ah. Bon, yes. Heureusement. Ah d'accord, t'as sauvegardé? Ouais parce que voilà, c'est assez risqué pour aller de l'autre côté de la mer. Une fois sur deux je me fais choper par un con là-haut. Entendu. Je te suis. T'es où? Sous l'eau. Pourquoi? Parce que. Attendez. Je me suis trouvé poutant. On peut passer par là ou pas? Facile. Non? Ouh. Et voilà, c'est parti. Oups. D'accord, je comprends pourquoi t'as sauvegardé. Attends, tu peux faire un truc s'il te plaît? Quoi? Je vais planquer mon plongeur, tu sauvegardes maintenant? Voilà, comme ça j'aurai pas besoin de le refaire à chaque fois. Alors, ne pas sembler poutant, ne pas aller sous l'eau parce que tu ressors pile devant chez lui.
Entendu. Je te suis, hein. Entendu. Parce que moi, je connais pas bien la mission. Ouh, on a des petits ralentissements, là. Facile. Reste surtout bien couché, hein. Ouais. Non. Comment ça, non? Comment je fais pour sortir de l'eau? Voilà, comme ça. Ok. Alors, attends, faut juste que je me repère les soldats. Oh, putain. Bon, on va laisser un truc, un coup de pute. Tu te mets avec moi? Ouais. Je démarre. Comment on va faire? Bon, on va le faire comme à l'ancienne. Mets-toi bien dans le truc. Ça, tu vas... Vise là, ouais, à peu près. Ouais, mais... Là? Là. Plutôt là. Enfin, bon. Tu sais quoi, on va essayer, puis on verra bien par où ils arrivent. Attends. Je vais... me mettre là. C'est impérable. Je m'en fous. X. Repère là. Très joli. Bah ça marche. Attends. C'est plus. Y'a pas une grosse troupe à quelque part qui va venir aussi? Je sais pas. Fais gaffe au roquin qui nous vise. Il nous vise là? Hein? Il nous vise? Non pas, mais à côté des calabres, oui. Mais Fira si jamais. Bon, on peut y aller? Ah, juste moi je planque les cadavres parce que... Te relève pas. Ah, c'est comme ça que tu planques les cadavres, toi? Ah, je nourris les requins, je suis gentil, moi. Je regarde juste s'il n'y a pas les trucs utiles dessus avant de les jeter à l'eau. C'est gentil d'avoir prévenu. Non, lui, il a rien. Je serais pas contre un fusil, moi. Je te laisse le paquet clope dans celui-là, parce que moi j'en ai déjà un. Ouais. Merci. Parce que ça, le paquet de club, c'est un accessoire indispensable pour lui. Tu vas le balancer où, mon gars? Ok. Hey, il a failli le balancer dans le canon, hein. Ouh, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, mais... Quoi? Je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va recommencer aussi? Oui. On arrête enregistrement devant. Ouais. Voilà. Désolé de la coupure, les gens. On est de retour. Donc ouais, ça n'est pas sauvegardé, malheureusement. On te voit. Voilà. retire un coup. Ah, peut-être pas. Fais gaffe, t'es repéré toi. Moi? Il te voit, mais en fait il vient pas à ce qu'on a. C'est qui qui te voit? C'est lui là-bas. Pourquoi il vient pas à ça, petit? Je sais pas. Attends, je vais m'éloigner comme ça. Fous-toi à la flotte, puis casse-toi un moment. Non, je vais me mettre derrière le rocher. Ok. Voilà. Ah voilà. Voilà. Quel con, mais je te prie. Abruti. Aïe aïe aïe. Bah, on fait comme avant. Ouais. Enfin, j'ai eu un petit souci avec mon PC, je sais pas ce qu'il a eu ce con là. Ouais, mais apparemment c'est parce que t'as désactivé, enfin débranché le micro. Non, j'ai rien débranché. T'as vérifié qu'il avait quelque chose sur lui? Ouais. Facile. Moi je l'ai vérifié avant de les porter, hein. Ah, celui avec le paquet club, il est là. Où ça? C'est celui qui est tout seul entre les deux rochers. Tout seul entre les deux rochers. Ah, celui-là. Donne-moi tes clopes, toi. Dans le jeu, je suis non-fumeur, mais j'ai besoin de clopes. Enfin, je crois qu'il est non-fumeur. Oh. Ouais, d'accord. Bah, le prochain, je vais aller le chercher moi-même. Hein. C'est quoi? Je vais aller le tuer parce qu'il a un gros canon, lui, qui me pointe sur la gueule. Ah ouais? Pas bon, ça. Je vais te regarder faire, hein. Quoique, j'aurais même pas besoin, vu qu'ils ont ton écran, mais bon. Ouf. Là, t'es vraiment juste en dessous de sa vision, hein. Y'a quelqu'un d'autre qui peut te voir depuis le chemin, là? Oui, je sais, c'est bien ça qui me pose problème. Y'a lui, là. Mais tu veux tirer avec des clopes? Non. Ils vont se tirer de toute façon, puis meuf. Ils en ont strictement rien à foutre que je fais là. Tant que je le prends avec. Bon, je peux venir maintenant? Ouais. Ah bah, on a oublié un cadavre. Bah oui, mais il était dans le champ de vision de l'autre, alors j'avais pas regardé chercher celui-là. Y'a quoi sur lui? Alors, attends, avant d'aller tuer l'autre, je vais leur montrer un truc que j'adore faire. Je vais juste chercher mon expert en explosif. Vas-y, là il voit ton écran de toute façon. Okay. Ah ouais, non, mais c'est pour toi, pas que t'aies tué les deux autres. Ils vont mourir d'une façon très cruelle. Okay. Ah là, je vais vérifier une caisse. Ah, y'a les mines. Ah, ça c'est bien ça. C'est, bon. C'est pour toi les mines, non? Ouais, attends, je vais juste. Attends, il faut que je les file. Ah, mais quel coup, il les a pris. Bah oui. Vas-y, donne-les-moi. Comment on fait déjà? Ah voilà. Entendu. Il m'a tout pris, hein. Oui. J'ai pas l'habitude d'être dans ce sens-là, moi. Tiens.
Prêt. Merci. Alors. Ah, tu es tué à Kunmin. Non. Ok. Mets-toi vers mon chef. Il fait comme lui. Ah. Vas-y. Oh mon dieu. Ah, l'avantage d'avoir l'expert explosif. C'est que ça fait très mal. Oh, c'est dégueulasse. J'adore ce métier. Y'a personne qui a remarqué ça? Attends, y'a encore un là-bas au fond que je peux avoir. Hop là. Oh, désolé. Ah, oh, chouette. Oui, venez. Wukedi Wukeda. Ah, abruti. Bah, voir, y a le copain qui est mort là. Non, Wukedi Wukeda. Vous voyez, mais vous allez pas aller voir. Bon, d'accord. Non, mais... Lui, il voit jusqu'où. Bon, il voit rien. Et lui, il voit rien non plus. Je démarre. Lui, il voit rien, le canon en haut là. Okay. Attends, je vais me le faire celui-là. T'inquiète pas, je pense sur lui. Eh oui, faudrait que tu te calmes, toi. Moi, j'aimerais faire celui-là, mais. Fais gaffe, il va le voir. Hein. Ouais, je sais. Dans deux secondes. Planque-toi. Ouais, okay. Je vais faire un coup de pute. Là, j'ai mes jambes qui viennent de lui caresser les siennes, il s'en fout. J'espère qu'il va passer par là. Je me planque ici et puis je vais. D'accord. Ah, si tu veux aller le chercher, c'est sympa. Je le vise au cas où, hein. T'as eu de la chance là. Non, c'est calculé. Je peux me faire l'autre maintenant? Si l'autre se retourne pas trop, oui, tu peux y aller. Je vais essayer un coup, mais. Entendu. Quelle façon dégueulasse de tuer. Ah mais franchement ça c'est immédiat. Ah ça marche en plus. Je vais continuer ça. Putain, Jules ne bouge plus. Pourquoi? Putain, on l'a pas vu celui-là. Quel? Il y en a juste un à droite. Ah, premier fusil. Ah t'as un fusil? Chanceux. Eh ouais. Bon, lui le canon là en haut il voit quoi? Rien du tout. C'est pas le canon le plus Ah c'est la DCA, ça tu risques rien. C'est pas pour nous ça. Bon, là je vais faire du bruit, alors méfie-toi. Ouais, mais attends. Okay. Fais comme moi. On va protéger l'entrée ici. Ok, j'arrive, attends. Parce que là je vais faire du bruit de nouveau. Ça va faire du bruit? Ouais. Le petit blanc il est pour moi, hein. Ouais, bon. Le petit blanc il est pas pour moi finalement. Ah si. Oups, raté. Mieux là. Mais à quel point ils s'en foutent les mecs? Tu tires avec un flingue, y'a tout le monde qui arrive, tu tires avec un canon anti-char, tout le monde s'en fout. Ils se disent quoi, qu'on fait des tests? La DCA, t'arrives pas à l'avoir, t'es là. La DCA. En haut. Mais y'a personne qui l'a. Puis la DCA, elle va pas te tirer dessus, de toute façon. Non, c'est bon. Bah attends, j'en ai pas mal à tuer. Ah, il va faire. Il est où? Là. Ah, il faut que je tourne mon engin! Ah, raté! Eh, mais il s'inquiète pas de. Le mec, il est en train de faire. C'est du bon pont qu'ils ont là! Qu'est-ce qu'il a ramassé déjà? Bon, tu m'excuseras, mais moi je vais aller tuer le petit blanc, hein! Ouais, fais gaffe! Pourquoi? Fais gaffe, il y a quelqu'un qui bouge là! Il bouge beaucoup là, les gars, ils sont où maintenant? Là. Il y en a trois qui étaient un peu trop excités. C'est bon. Attends, peut-être qu'ils vont venir finalement si je tue le petit blanc. Toi, tu t'amuses bien, hein. Comme un petit fou. Oh, un pilote. Au revoir, les pilotes. Entendu. Oh. Un coup magistrieux. Je l'ai pas loupé, cet enfoiré. Hein. Ça va? Comment dites-vous? Moi je fais le ménage avec ça, ça fait toutes les missions moi. Oh, alors moi le coup du piège à loup sous les pieds des mecs, j'ai jamais pensé à faire ça. Mais ça marche. Pourquoi il y a un cadavre au milieu là? Où? Là, au milieu du chemin il y avait un cadavre, il y a des cadavres partout en fait. Bah j'y suis un peu pour quelque chose. Mais bon bah je vais peut-être les ranger hein, parce que s'ils les trouvent... Pas obligé, je peux mettre des mines dessous aussi. On peut faire, tu fais un gros tas avec tout le monde. Que je mettrai une mine dessous après. Hein? Putain, tu te fais repérer par qui là? Non, rien, ils ont dû repérer un cadavre que j'ai oublié. C'est lequel? Ils l'ont repéré où? Bon, on peut aller par où ensuite? Tu veux bien sauvegarder un coup après tout ce que t'as fait quand même? Attends. Oh, il avait un paquet de clopes, non mais bon. Le gars, il pique les paquets de clopes au cadavre, c'est beau quand même.
Ah, raté. C'est dommage. Entendu. Oh, bah, je peux aller là-haut, moi. Tu peux monter par le côté pendant que moi, si moi je monte de ce côté-là, si tu veux. Moi, je monte par là. Tu montes par où, toi? Que je vois. Ouais, t'es pas peureux, toi? Non. J'ai sauvegardé il y a pas longtemps, moi, c'est ça? Allez. C'est bien pour ça que je suis pas peureux. Lui, il voit jusqu'où? En chemin. Il voit où, lui? D'accord. Oh putain. Pitié, faites qu'il me voie pas. Mais merde. Je t'ai vu. Mais oui, vas-y, prends ton temps pour descendre. Mais prends tout ton temps. Venez, 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 venez voir, monsieur. Il est là. Casse-toi. Désolé, j'ai pas été assez rapide. Putain, le carton. Oui, mais désolé, tu t'en pris une aussi. J'arrive. Je voulais les attirer en bas avec un coup de pistolet, puis toi, boum. T'as du soin, au moins. Merci. Je te laisse aller servir maintenant, je les ai oui, piqués. C'est gentil, merci. Désolé, le coulasse. Et puis y'en a un qui a pas bougé, par contre. Hein. Mais mode rien à foutre, hein, le mec. Ah, c'est pas grave, c'est quelque part qui est mort, mon dieu. Bon, moi, je range un peu le bordel qu'on a fait, hein. Enfin, que j'ai fait. Ah, bah, y'a du fusil, là, c'est cool. Ah, ils ont été radins avec les fusils, hein, pour l'instant. Ouais. Je trouve aussi. Celui-là, là-bas, il me fait chier. Lequel? Attends, je vais l'avoir. Tu te faisais un coup de main, tu me dis, moi je vais m'en t'aider. Tu sauvegardes juste un coup, s'il te plaît. Il va faire une connerie. Voilà. Mais déplace-toi, mais putain. Tire un coup. Je l'ai fait. Là? Non, c'est l'autre que je voulais. Oh, attends. Là, je suis là, t'as vu? Mais oh. Ouhou. Hihi. Mais putain, mais c'est pas vrai, hein. C'est bon. Bon, oh. Je vais faire un truc à la con, là. Tu t'es fait repérer. Ouais. Tu t'es tué. Ouais, mieux faites pas monter, toi. Ouais, effectivement, je me dis maintenant aussi. Bon, je... Eh merde. Putain, on c'est pas... moi qui dois ranger ta merde, hein. On est vraiment pas des commandos efficaces. Putain, le mec, il va chercher des embrouilles, puis c'est moi qui me les ramasse sur la gueule. Putain, puis l'autre, il s'est réveillé en plus. Tu vois, pas qu'il allait dormir quand même. Allez, tiens, prends ça. Mais... Ouh. Voilà. Mais quel bordel il y a ici, maintenant? Bah, il faut contrôler tous les cadavres, hein. Ouais. Oh, ça, c'est rien. Après, on fait un gros tas avec tout le monde, et moi, je vais mettre des trucs dessus. Ouh, il a un bel uniforme, l'officier. Facile. Tu fais un tas avec tout le monde. Voilà. On va chercher un endroit ici, moi. Allez, faut tous les contrôler, puis on les met tous au même endroit. Ils auraient rien d'intéressant. Ah, ils auraient tous vidés, en fait, déjà. Bah oui. Eh bah oui. Bah, on les met tous là, puis je vais mettre tous nos 1000. C'est par contre ton idée. Ouais, c'est à partir d'ici que je commence à le faire. Je sais pas pourquoi je le fais pas avant. Ah, y'a un paquet de clubs ici, tiens. Ah ouais? Merci. Je veux bien, moi. Ah bah, trop tard, c'est moi le fumeur maintenant. Ah d'accord. Je croyais que tu fumais pas. Non, bah, pas toujours. Je démarre. Oh, l'autre il est un peu cramé, hein, là-bas. Oh bah, tu vois, quoi. Oh bah, il y a l'opérateur du canon que je peux me faire facilement. C'est jamais quand tu vas dans les maisons. Ouais. Tu contrôles toutes les malles. Ouais, mais je suis pas allé dans une maison là. Ah, mais quand il va. Tu appuies sur le F10. Ouais. Et tu regardes toutes les malles. Parce qu'il y a des missions bonus qu'on peut récupérer, qu'on fait pas d'habitude. Ouais, je sais. Ouais, reste en haut. Je dois y mettre les mines encore. Bon, une, ça devrait suffire, je pense. Je vais vérifier la maison ici. Ouais, moi je redescends, alors tu te débrouilles. Ouais. Ouh, y'a du monde là-dedans. Oups, j'ai sauté un peu haut là. C'était simple. Eh bien sûr, j'ai touché personne avec ma mine, et j'en ai plus. On va chacun de notre côté, comme ça. Hein? On va chacun de notre côté. Ouais, mais j'arriverai jamais à vider cette maison. Bah, t'as un plongeur, prends-le avec. Utilise-le. Je vais observer les mouvements du mec, puis après je rentrerai. Ça va être ton plongeur, je peux faire nettement plus que ça, hein. Mais je crois qu'il regarde pas, il regarde jamais la porte, ce con-là. Non.
J'ai combien de balles avec mon machin là ? Oh putain. Ça va les mecs, je vous dérange pas trop ? Voilà. Voilà comment moi je suis d'une pièce. Ça me fait vite chier. Et c'est parti. Voilà. Alors, un petit coup de F10, y'a que celle-là qui s'intéresse. D'accord, des pensées comme explosif. Oh, chouette. Oh, c'est charmant tout ce qu'il y a ici. Ah, j'ai nouveau des grenades pour toi si jamais. Attends. Je les apporterai un de ces jours. Ouais. Je suis en train de vérifier où voit ce mec. Il voit trop loin. Ah, bah j'ai une idée de merde. Alors, attends. Merci. Vas-y. Je viens pas te sauver, moi. T'es prévenu. Voilà, c'est bon. Entendu. Finalement, le coup du paquet de clubs, t'as raison, c'est... C'est bien. Bon, j'ai vidé à la maison, hein. C'est bien, je suis content pour toi. Oh, merde. Y'a rien à vérifier, ici. C'est pas con, ces Allemands. Hein? Y'a fait quoi? Tu verras sur la vidéo. Ok. Comment ils ont pu savoir que j'allais dans cette maison-là, pile? Bande de foirés, là. Ah ouais, j'ai c'est pas fait toi qui as tué la DCA, là? J'ai tué pas mal de choses avec mes canons, alors te dire exactement ce qui était qui... Ouais, y'a que des fusils, y'a que des pistolets, ça marche, on continue. C'est bon. Alors ici, est-ce qu'il y a des caisses? Ouais, là, bien. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que tu vas voir ce paquet de clopes, mon gars? Non, même pas. Putain, il était pourtant dans ton champ de vision. Chier. Oh shit, d'accord. Okay. Plan B. Donc, tu verras après tout sur ma vidéo. T'as l'air d'être dans la merde hein, chaque fois que tu parles. Non, non, moi je règle les problèmes de ma façon. Ouais, moi je suis en pleine merde là. Hein. Oh putain. C'est à cause de moi le problème? Oui. Oups. Bah t'arrives à t'en sortir? Oui. 4 de suite, tout va bien. Mais t'as un deuxième galère, réutilise les deux un peu. J'ai éliminé les patrouilles là. Ah bah, par contre, j'ai pas de vie. Bah, il faut fouiller dans les maisons, hein. Oh tu merde, es... voilà. C'est quoi ça? Il est arrivé par derrière. J'arrive, hein. Tu vois le pont? C'est sur le pont? Non, suis le pont, je suis juste derrière. Et c'est tous des mecs avec des fusils, alors t'as plutôt intérêt à venir avant qu'ils repèrent tout le monde, hein. Là en haut, tu dis, hein? Attends, j'arrive. Bon, y'a deux officiers allemands, puis toi, t'es où? C'est toi, ça? Ouais. T'as eu qu'à le faire en l'air? Mm-hmm. Ah, putain, c'est quoi, ça? Tu vois, ça? Ah là, là-bas, il t'a vu. Attention, il y a des officiers derrière toi, hein. Bon, tu me guéris, s'il te plaît? Attends, ah, c'est là! Je t'ai pris pour un officier allemand, excuse-moi. Merci. Ah. Je démarre. Eh, c'était à cause de toi, le... Ah, putain, des fusils. Il y a des munitions, ici, t'en veux pas? Oh, moi, je récupère sur les miens. Mais je te laisse contrôler toutes les maisons, hein, je te fais confiance. Oui, bah, il n'y a pas de maison, ici, à contrôler. Ah non, puis ces petites cahutes là, c'est quoi tout ça? Mais je fais comment pour rentrer dedans? Bah, tu cherches une porte? Je peux pas depuis là. F10, tu vas à toutes les portes. Oui, bah depuis ce côté là, je peux pas. Non mais je dis les deux bunkers, tu les as contrôlés? Quel bunker? J'arrive. Ah non, j'ai pas contrôlé, j'y vais. Puis la petite maison là, à droite des bunkers. J'y vais, c'est bon. Entendu. C'est par quoi, je te demande. J'y vais! Ok! Et bouge ton cul, bordel! Bon, moi j'y retourne. Mais oui, les bunkers, je les ai faits. Alors, ici. On peut sortir. Un jeu d'enfant. Ça va les mecs, je vous dérange pas? Mais vite, je vais faire du bruit de moi. Moi aussi. Pas autant que moi. Ah là! Moi je suis à l'intérieur, hein, de toute façon, donc. Et c'est parti. Alors, je dis juste pour ceux qui nous regardent, ceux qui n'ont pas de clé, ouvrez les portes comme moi je viens de le faire.
avec une bonne vieille grenade, là, ça marche toujours très bien. Oui, bien sûr. La porte est ouverte, hein. Oui, bah quand t'es devant chez toi, à mon avis... Je fonce. T'as pas envie d'ouvrir ton truc avec une grenade. Oh, de l'explosif. Je te donnerai ça après. C'est bon. Ouais, si tu veux. J'en ai déjà pas mal, hein, tu serais étonné. Mais... Non, mais c'est les petites bombes bleues, là, tu sais. Bah ouais, j'en ai déjà 4. Ah ouais. Bon, bah, je te donnerai peut-être pas ça après, alors. Entendu. Voilà, je suis dehors de la cahute, et je crois qu'il y a plus de cahute, là. Ouais. C'est peut-être de ce côté-là, en fait. Je vais juste regarder, parce que là, je vais faire un truc dangereux. Ouais, comme d'hab. Entendu. Eh oui. On est ce qu'on est. N'empêche, elle est sympa cette mission au niveau graphisme, je trouve. Ok. C'est bon là ? Alors là, je vais faire un truc extrêmement dangereux pour ma part. Je fonce. Ça, ils ont tous des flingues, hein. Mm-hmm. Tiens, les fusils, c'est pas ce qu'ils connaissent le plus, hein. Là, je viens de déposer un piège à loup. Voilà, mais... L'intelligence artificielle, elle est vraiment artificielle, là. Putain, ouais. Quoi ? On peut juste faire une pause de 2 minutes pour l'enregistrement. Ouais. Voilà, désolé pour la petite coupure. J'avais un petit problème de son que j'entendais plus. Ouais, il m'entendait plus du tout. Ah bah, dis plus que la musique, alors... C'est mieux, là, déjà. C'est déjà plus supportable. Je pense que ça sera peut-être plus pour vous aussi. Oh merde! Laisse ta fenêtre. Oh bah c'était pas si grave. Ils ont pas été très méchants longtemps. Non! Ils sont morts. J'ai eu de la chance. Beaucoup je pense. Mais j'ai pas de vie sur moi, ça me fait chier. Oui, c'est comme je t'ai dit, tu vas en trouver dans les maisons. Faut juste... tu fais un petit coup de F10 quand tu rentres dans une pièce. Bah oui, je l'ai fait, mais là, y'a rien. Tu fais tous les trucs. Hein ? Puis tu vois tout ce qui apparaît comme ça. Ouais, je sais. Bah, y'a des pinces, là, mais je crois pas qu'on en aura besoin. Non, effectivement... Je crois que j'ai tué une femme. Mais je suis pas sûr. C'est bon. Ah, il avait un fusil, lui. Bon, y'a quelqu'un d'autre qui se balade ici. Ok. Elle est comment ta vision, mon gars? Non, oh, elle s'arrête là ta vision. Bon, alors on va mettre un piège à loup ici, droit devant ta vision. Voilà. C'est une technique de merde, je trouve, mais c'est pas grave. C'est moi qui te l'ai appris en plus. Ok. Hey. Elle marche. Bah oui. Entendu. Voilà, va chercher les clopes. Merde, t'es non-fumeur! Oh, quel enfoiré. Ah non, il y en a un autre qui a remarqué les clopes. Oui, mais où il y a les clopes, il y a le piège à loup. Donc il va y avoir un cadavre. Oui. Donc l'autre va le voir. Tu te tournes, s'il te plaît. Voilà. D'accord. C'est bon. D'accord. Mais vous avez repéré... Vous pouvez repérer les cadavres que je viens de vous tuer? Non? C'est bon, vous en avez rien à foutre des cadavres? Ok. Attention, je sauvegarde. Ouais. Et là, il faut parce que putain, la vie qui me reste. C'est misérable. Pourquoi ça ressonne? C'est normal. Ah, je me suis fait tuer. Par un mec qui est arrivé derrière alors qu'il était censé y avoir plus personne derrière moi. T'es mort mort? Non, je suis sur le pont en bois, après le pont. Non mais t'es mort ou pas? Non. Alors? Je sais pas d'où il est venu ce mec, il y avait plus personne, j'ai tout vidé. Ouais mais il y a toujours un qui se planque. Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est des choses qui arrivent. Tu m'attends? Ouais. Pourquoi? Continue. Moi je suis dans un bunker là pour l'instant. Mais je peux pas là, je suis Ah t'es mort! Mais je te demandais si t'étais mort, tu m'as dit que non. Là attends, faut que je trouve la sortie maintenant. Tu regardes, c'est là où il y a un mec qui s'excite. Putain, pas mal bonne toi. T'as pas bougé d'être toi. J'ai tué tellement de mecs, mais il faut qu'il y en ait un. Il est en train de faire disparaître les cadavres. C'est qui ça? C'est toi?
D'accord, t'es là-bas. T'es au chevet ? Ouais, je crois. Et où moi j'étais, quoi ? Ouais, je suis sur le petit pont en rondin, là. Ah, t'as vu. Ouais. Bon, je suis pas très important, on dirait. Oh putain, il va prendre. Il va prendre les cadavres, il y a encore plein de fusils là-dessus. Attention, tu te fais tirer dessus derrière. Ah, mais bordel, t'es où ? Mais va te faire foutre ! Tu peux pas le flinguer, oui ? Ah ! J'ai même pas vu que tu m'avais ressuscité ! Oh putain, mais ça c'est moi qui ai besoin de vie. Oh, bordel, bon, moi je me casse, tu te démerdes. Ouais. Entendu. C'est moi qui ai besoin de vie maintenant. Trois quarts du temps, si je suis mort, c'était quand même à cause de toi. À cause de moi, j'ai rien fait. Je suis même pas avec toi. Oh, c'est facile de m'accuser là. Hein. Ouais, c'est facile, c'est pour ça que je le fais. Putain, moi je suis dans un état maintenant à cause de l'autre con là. Bon, moi j'aimerais juste retrouver de la vie quelque part, sérieux, parce que. T'as regardé si ton nageur il en avait pas par hasard? Ouais, bah ça me ferait chier que ce soit le cas. Bah oui, bah il faudrait peut-être qu'il fasse quelque chose aussi, gentiment. Il est quand même plus efficace, hein. Alors non, j'ai pas de vie. C'est moche. Comment? Bah il faut construire une maison, quoi. Ouais, du coup. Je préfère l'autre. Ok. Je préfère celui-là au plongeur, hein. Ok. Oui, mais le plongeur il peut quand même les tuer plus loin. Sans super, il y a un sniper qui me voit. Où est-ce qu'il est? C'est quoi cet endroit? Putain, mais je suis... Putain, tous les écriteaux sont... Attends, mais y'a pas de sniper dans le coin? Dans la maison. En haut. Où ça? Exactement, je peux pas donner sa position, mais... Je sais qu'il y en a dans une des maisons. Je vois pas où c'est qu'il pourrait y avoir un sniper. Pas trouble. T'as qu'à faire avance, ça te montrera tous les ennemis. Je verrai bien s'il y a un truc rouge qui sort le nez de, ça, de la maison ou pas. Là, je vois pas où t'es, alors moi je suis dans un bunker en plus, alors. Y'a pas un moyen de voir une carte? Si, la petite loupe rouge, là. La petite loupe. La petite lampe de poche. Ah. Alors, où est-ce qu'il pourrait y avoir un ennemi qui peut me voir? Ah, là-haut. Je viens de le repérer, cet enfoiré. Je démarre. Correct. Ah, t'es là! T'es dans la maison, enfoiré! Bah oui, dans la maison, c'est ce que je disais. En général, c'est là qu'ils se planquent, ces cons-là. T'as rien entendu? C'était simple. Tu n'as rien entendu, le sniper, ok? Bien! Maintenant, comment je vais te tuer? Un coup de pied jaloux, c'est ça qui marche toujours. Voilà. Foiré. J'ai un fusil de sniper là, je pourrais l'utiliser, non? J'ai pas le. Je crois pas que je peux utiliser sans sniper, hein. Non? Je suis occupé là, je. Mais non, tu peux pas utiliser un sniper sans sniper. Ça paraît logique. Voilà. C'est bon. J'ai tué le sniper. Tout va bien. Un jeu d'enfant. Entendez. Du pinard. Le fâche quoi du pinard. Facile. C'est bon. Ah, de la vie. Mon dieu. 10 de vie en plus. C'est bon. Ah putain. C'est une vraie canne d'Ali Baba ici, la vie. Ah ouais? Y'a que ça. Je démarre. Ben, on va faire un peu de bruit. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Merci. Ça a planté? Non, ah, non. J'ai juste voulu contrôler un soldat, c'est tout. Mais c'est un sacrilège de contrôler un soldat ici. Et c'est parti. Alors, je vais poser mes charges.
Quoi, non? Si? Non, mais... Facile. Là, j'espère juste qu'il le verra. Correct. Qu'on doit faire péter ça, on va le faire péter. Voilà, va récupérer les clopes. Abruti. Ah merde. Tant mieux. Tu peux sauvegarder un coup, s'il te plaît? Si tu veux, ouais, moi je suis pas en mission spéciale là pour l'instant. C'est bon? Ouais, ouais. Y'en a d'autres qui ont entendu? Non? C'est bon? Super. Bon, bah, alors ça marche. De quoi? Ah. C'est pas mal. Ça veut dire que je suis dans la merde, là? Non, non, c'est bon. Alors, on a déjà fini. Je dirais que je comprends pas pourquoi la lame semble dehors, alors que c'est déjà que je fais du bruit. Je fais une tuile, en plus. Bon, normalement, les soldats en blanc, ils ont rien de sujet, à part l'uniforme en blanc. Ouais, c'est ce que je disais. Ouais, on bon, ça va, j'ai réussi à me planquer dans une maison. Bah là, il y en avait un peu beaucoup pour pas que je fasse de bruit. Hein. Ah, je me doute. Mais c'est cool, je trouve des clubs de partout. Je trouve qu'un peu que ça te suffit. Ouais, vu qu'à la vitesse où tu les fumes, puis tu les perds, quoi. Ah, mais on va te faire foutre. Enfin, ça, par contre, ça peut être utile. Un peu plus de vie. Par contre, maintenant, je trouve plus que de la vie maintenant. T'as... Ah ouais? Tiens, j'en ai déjà. C'est con ça? Tu l'avais récupéré l'explosif bleu, rassure-moi. Oui, pourquoi? Très bien, j'en aurais besoin. Entendu. Pour faire péter autre chose un peu plus tard. Bon, planque-toi si jamais. À ce point-là? Oui. D'accord, attends deux secondes. Entendu. Ah là, vas-y, fais péter. Et t'as littéralement fait péter, hein. J'espère que j'ai tout eu, je vais juste aller vérifier. Une, deux, trois de mort, fini, terminé. Au revoir, bonne journée. Tiens, c'est bon. Voilà. Je devais faire péter ça, j'ai fait péter ça. Non, toi t'as fait une connerie de l'air. Non. Il repère juste tes cadavres. Il a une chier, tu dis? Oui. Tu dis que t'as pas beaucoup rangé derrière toi? J'ai bien laissé traîner, je dois dire. Bien ça. Non, c'est pas ici. Il est où ce putain de singe d'or? Oh putain! Ah, se planquer dans une maison, c'est le meilleur truc hein, pour tuer des mecs. Je fonce. Ben, alors. Tu lui as pas parlé à l'officier qui était dans l'anticage, toi? Hein? Non, t'es passé devant, mais tu lui as laissé tout seul. Bon, je vais faire passer une cinématique hein, si jamais. Ah ouais. Je suis content de vous voir, les gars. J'étais descendu il y a deux jours par cette foutue DCA. Vous allez pas me laisser là? Si vous voulez, après, je me charge de piloter l'hydravion loin d'ici. Putain, il est gros l'hydravion. Bah oui. Le sous-sol de l'île est comme du gruyère. Ils ont creusé un gigantesque réseau de galeries souterraines. Il y a un bunker avec des batteries anti-aériennes à l'ouest et leur salle de communication sur la colline à l'est. C'est là que se trouve leur commandant. Et ils gardent sur lui la seule clé des tunnels qui mènent au canon. La seule clé, bien évidemment, hein. Ça serait dommage de... Les canons sont déjà cassés, je m'en fous. Il y a une chambre près de la salle des communications où ils conservent précieusement une statue de singe en or massif. Une fois à l'intérieur de cette pièce, je suis certain qu'on pourra faire sauter un mur et nous emparer de la statue. Non, c'est ça. Et ils l'ont pas posé sur une étagère, hein, c'est par terre qu'ils l'ont posé. Ah bah tu verras quand tu verras le poids qu'elle fait. Elle pèse lourd? Bah y'a qu'un homme qui peut la porter alors, tu vois. Qui? Mon chef. Du coup tu vas aller là, puis moi je vais... Moi je continue de mon côté, hein. Je sais pas où t'es toi maintenant, alors j'arrive, fais gaffe. Tu regardes là où il y a les cadavres. Je vois où il y a un truc bleu qui bouge surtout. Non, je vais faire les maisons.
Amuse-toi. Ah, celle-là, y'a rien. Ah, on va chercher. Voilà. Y'a rien non plus. Bon, là, il devrait pas me voir, en théorie. En théorie. Ah. Je voudrais savoir c'est où toi tu es, pour que je te fasse préjudice. C'est gentil. Non, c'est pour éviter que tu... Ah, t'es là, d'accord. Oh, t'es loin de l'ouche, c'est bon. Ah, t'as vu les clopes. Mais t'en veux pas? Et regarde, y'a des clopes, c'est trop bien les clopes. Tu sais, certains ils préfèrent le pinard. Hein. J'ai pas de pinard sur moi. Moi non plus. Si, j'en ai moi, si tu veux. Ah, c'est pas grave. Okay. Je vais lui défoncer la gueule. Ou me faire défoncer la gueule. C'est quoi, c'est la même chose. La barrière est mince, hein, tu veux. Je démarre. Merci pour les munitions. Ok. C'est pas une maison, ça? J'ai tué le mec au canon du début, hein. Pas pour toi. Correct. Correct. Tu veux bien te faire une injection, s'il te plaît, merci. Un petit mix. Ok. Bon, qui est-ce qu'il y a encore ici? Je fonce. Bon, y'a personne dans ce bunker, j'en déduis que t'es rentré par là. Je suis pas rentré. Je suis sorti par là. Ah ah, mais y'avait du monde entre eux. Entendu. Oh, oui. T'as de la chance que j'ai tué tout le monde ici, hein. Tu as de la chance. T'as de la chance que j'ai venu te sauver, surtout, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, alors, où c'est que vous êtes là en bas? Moi, je... Oh, t'inquiète pas, je vais m'en occuper moins de 2 secondes, c'est là. Plante-toi. Ouais, s'il te plaît, tu peux sauvegarder? Entendu. Moi j'aurais fait ça plus rigolo. Ouais, bah du temps que ma grenade elle arrive. Voilà. Ça marche aussi. Je démarre. Ouais, tu veux quoi? Te donner quelque chose? Ah, non. Mais t'as pas voulu, alors non, tu le dégages? Tiens, prends ça à toi. Ouais, merci, j'allais dire. Tiens, sniper, bouffe ça, santé. Putain! C'est quoi comme grenade que tu utilises? Mais il y avait des barils d'explosifs à côté, Jules. Ah, ça pouvait faire que cet effet-là. Bon, on a tout tué, là. Non, oh, ça pas dans les maisons, je pense que t'as pas été dans les maisons. Non, là, de ce côté-là, je suis pas allé. Non, je m'y dirige. Un sniper, tu l'as eu? Ouais, non. Oui. Tiens, je te rends tes munitions, finalement. Vu que les munitions sniper, je peux pas les avoir pour moi. J'adore parce que les alarmes elles durent jamais plus longtemps ici. Dans la vraie vie elles dureraient jusqu'à ce qu'on ait trouvé l'intrus et ici. Entendu. Ici ils s'en foutent. Entendu. On se prend quoi sans réserve? C'est bon. Ah, mais t'es déjà passé dans cette petite maisonnette là toi? Les deux petites maisonnettes je les ai déjà faites. Ouais. C'est bon. Attends voir, y'a un placard ici que t'as oublié. J'ai pas dit que j'avais fait toutes les maisonnettes. Hein. Il y avait un truc bonus dans le placard. Entendu. Oh, t'as vu que t'es là, regarde la liste là. Ah, mais j'avais déjà fait ces maisons là aussi. Sont plus une. Bon, il reste quoi à faire? Attends, il me dit qu'il s'est pas rentré les placards, mais lui non plus. Il reste quoi à faire? Bah, regarde ce qu'il reste à faire, t'as aussi un bouquin toi non? Dérober le singe en or. Je sais pas où il est moi. Moi je sais où il est. Dans un des bunkers que tu as contrôlé normalement. Non, je suis pas allé dans un bunker, moi. Eh ben, on est pas dans la merde. C'était simple. Si, je me rappelle bien. Je suis complètement paumé, là, en l'occurrence. Il doit être dans celui-là. Ouais.
Là où tu étais sans doute, là où tu m'as dit que t'as été, on verra bien si t'as été. Nous verrons tout cela. Tu peux aller vider l'avion si tu veux. C'était ça. Ouais, bah attends, je suis dans le bunker moi. Attends, je rentre de l'autre côté. Tu sauvegardes s'il te plaît. Ouais, si tu veux. Ah bon ? Merci. Non, parce que je suis en train de vider le bunker. Ouais, t'as besoin d'un coup de main à un moment ou à un autre. Mais une grosse salle. Ça va pour l'instant. Ouais, mais une grosse salle avec plein de coins à l'uniforme. Ah bah j'ai trouvé un statut de singe. Facile. Fait. Oh putain, je vais pas tirer là-dedans. Ou alors je tire là-dedans mais tu sauvegardes. T'es où toi? Tu vois les uniformes bleus? Oui. Salut. Je suis de côté moi. Ah, alors on y va à deux? Bon, on les prend un choc à côté, puis on devrait arriver à se répartir. Mais on va quand même se regarder, hein. Attends, ouais. Parce que moi j'ai plus que 5 balles dans mon fusil, hein. Puis attends, sors de la pièce. Pourquoi? Sors de la pièce. Qu'est-ce que tu veux faire? Vise la porte. Externe. Attends, je vais venir faire du bruit. Sors de la pièce. Ouais. Deux secondes, j'arrive. Voilà. Deux secondes, j'arrive. Vroom. Non, ça marchera pas. On est à l'intérieur. Bah justement, ça marche très bien. J'ai fait ça toute la mission comme ça avant. Oui, mais ça marche pas ici. Attends, on va essayer avec un plus gros calibre. D'accord, bon, je rentre aussi. Moi, je suis prêt. Attends, j'arrive à placer mon mec. Bah, mets-toi debout déjà. Ouais. T'as raison. Et c'est parti. Bah du coup ils vont tous venir chez toi. Ouais, j'ai plus de... Ah putain. Joli coup. Je m'en suis très bien sorti. Mien il a pas voulu tirer là, il a eu peur de tirer, je sais pas pourquoi. Bon y'a du fusil là dedans parce que là je suis vide. Ouais mais tu sais on arrive à la fin de la mission alors je pense pas t'en aies trop besoin. Oh, au cas où. Oh le bordel. Alors, c'est parti. Je recule les placards si jamais. Ah ouais. T'as encore besoin de vie, toi? Non, c'est bon. C'est bon. Entendu. Ah, du pinard. Et un truc bonus. Sur un gaillard? Non, sur dans un placard. Facile. Et encore du pinard. Je fonce. T'as vérifié tous les placards? La statue de singe est juste à côté, hein. Ah ouais, je sais. Je vais te montrer où c'est, attends. Wolf, pardon. Viens, okay. Celle-là. À gauche, la à droite, pardon. Chouette, casse-toi. Facile. Enfin, tu peux rester là, tu ressortiras par là après, mais... Oui, je ressortirai par là. Pas envie de faire le tout tour. Par contre, j'ai pas mon plongeur, moi. Bah, il faut aller chercher, hein. Bah, je le chercherai une fois que tout sera nettoyé et qu'il n'y aura plus qu'à aller à l'hydravion. Bah, il faut juste aller vider les lignes de travion, mais cache-toi un peu. Ok. Ah. Vas-y. Pourquoi je le sens pas, cette histoire? On pourrait peut-être repartir. Ouais, on va venir vous soigner. Ah, tu veux nous soigner? Oui, oui. T'es pas mort, toi? Ah, viens nous soigner. Non, non. Je me suis planqué au bon endroit, moi. Je pense que... Je me souviens si ça a pété méchant ou pas, justement. Alors... Aïe, aïe, aïe. Ah, putain, faut que j'aille chercher l'autre con. Ah, ça lag. Mais ouais, faut que j'aille chercher l'autre con. Il est où, l'hydravion? Julien. Hey, bon, c'est bon, j'ai pas vu tout de suite. Julien, il est pas assez gros? Ok. Bon, je vais aller tuer tout le monde. Ouais. Bon, il y en a que deux à tuer, je pense que c'est jouable. Alors, attends. Deux? T'as pas vu à l'intérieur du hydravion aussi, hein. Oui, mais bon, ils viendront pas. Tu sauvegardes, s'il te plaît? Ah, ils m'ont vu. T'aurais peut-être pas dû sauvegarder, en fait. Ouais, parce que... Merci. Parce qu'ils voulaient pas... T'as vu, t'étais en contrebas. Il y a un truc qu'on a oublié de flinguer. Quoi?
Le bateau. Je fonce. Et puis alors ? Je vais y remédier. On peut rentrer dans l'hydravion déjà ? Bon, je vais regarder ce qu'il y a dedans, hein. Bon, d'ici, y'a rien. Tu rentres, puis après tu verras, tu peux tous les tuer après si tu tires un coup. Ça va aussi. Entendu. J'allais chercher l'autre trompettiste à la con. Je pense qu'il faut que je le prenne avec celui-là. Je le prendrai avec celui-là. T'as précisé quelque chose ? Voilà, j'ai tué tout le monde dans l'hydravion. Ok, alors l'hydravion, secondaire. Bon, je vais ramener mon... Attends, qu'est-ce qu'ils disent là ? J'ai peur, c'est impossible. Quoi, j'ai peur, c'est impossible. Ah oui, il faut le faire monter. Bon, c'est bon, là, je fais le principal. Attends, il faut que je retrouve comment monter. Monter dans quoi ? C'est l'occasion. Il faut que j'arrive jusqu'à l'hydravion, moi. Avec mon plongeur. C'est possible. T'as vu l'hydravion, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Bien. C'est possible. Il y a un tas de cadavres. Bien. C'est possible. Ah, moi, il faut que j'aille chercher l'autre con. T'as cherché le pilote. Et ? T'as que j'aille chercher le pilote, ça peut être utile. Ouais, éventuellement, hein. Tu prends la statue d'or avec ? Qui moi ? Non, bah non, toi tu peux pas. Y'a que moi qui peux la porter. Je la fous dans l'avion. Bon. Et j'ai cherché le pilote. J'ai mon plongeur qui arrive. Toi j'ai cherché le pilote. J'ai le plan qui bouge. Il a un sacré chemin à faire, heureusement que tout est vide entre deux. Hein. Enfin j'espère. Ah non, il est pas ici pour finir, c'est juste que je l'ai mis ici. Il doit être dans cette maison. Ça y est, il est en haut, maintenant il faut juste que je retrouve l'hydravion. Mais c'est l'occasion. C'est quoi ce foutoir ? Quoi ? Julien, c'est quoi ce boulot ? Quoi ? Ton plongeur sera un petit peu blessé si jamais. Ouais ? Il est en train de courir là. Ouais ? Il va être un peu blessé. Ah ouais, ça va. Ça en est sorti. Oui, bah j'étais là. Il y en a un qui est resté que j'arrivais pas à voir. C'est l'occasion. Bah, lui, là, lui, il nous a vu par contre, hein. Bon, t'es où toi ? Je vais chercher le pilote. C'est pas trop dur ? Il est où ce con là ? Je l'ai vu dans quelle maison ? Tiens, on peut regarder la carte de vachement loin en fait. Mais je l'ai planqué où le pilote maintenant ? Hein ? Je l'ai planqué où ce con là ? Oh là, il y a un souci là. Je sais plus où je l'ai planqué ce truc. Waouh ! La carte de tout près, c'est moche hein, c'est pixelisé. Mais attends, mais je l'ai planqué où cet abruti ? Hein ? Ah bah tu te démerdes hein. Mais attends, je l'ai laissé dans mon cœur ? Je vais venir voir sur ton écran parce que ça a l'air marrant ce que tu fais là. Non, je suis en train de chercher un gaillard, c'est vachement drôle, pareil. J'ai paumé un gars. Ouais, je vois ça. Mais j'ai paumé où ça, c'est la question. Ah ouais. Ouais, je vois bien là. Mais j'ai rien à faire, c'est que je l'ai paumé, ce con. Tu l'as mis où ? Je sais plus où j'ai foutu ce con là. Putain. Ah, c'est déjà con. Ah, vraiment, ouais, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ça. Le pire, c'est qu'on a fini globalement la mission, hein, il reste plus que ça. Il pourrait pas me le dire où il est par hasard ce con là. Attends, c'est un objectif secondaire le pilote. C'est lui qui pilote l'avion, non ? Enfin, je sais plus du tout où je l'ai planqué. Ah, écoute, je vais aller voir de mon côté si je peux démarrer l'hydravion. Je regarde déjà s'il est pas déjà à l'intérieur de l'hydravion, par hasard. Non, il y a rien ici. Hein. Non, il y a que lui qui peut le piloter. Pas sûr. Si je te le dis, je... C'est une fois qu'il est dedans que le machin il part, il s'est fait flinguer ou bien quoi ? Non, la mission aurait été échouée. Bon, bah, chez moi, il se passe rien, hein. Vu que je cherche le pilote, non, c'est clair qu'il va rien se passer. Que je l'ai déjà pris de le côté avec ? Tu l'as planqué où ? Attends, je me rappelle, c'est bon. C'est bon ? Je me suis trompé de bunker, c'est bon. Ils se ressemblent tous, ouais, c'est machin. Je me suis trompé de bunker. Ah, trop de queue ! Raciste anti-bunker, là. Puis il nous a appelé quand on cherche, abruti. Ah là là.
Je te jure. Faut pas être pressé avec toi. Tout le monde est dedans, c'est bon? Ouais. Le singe aussi, le 3 aussi, le 4 aussi. Eh ben c'est bon. On t'attend. On arrive. Ah okay. Mais il a des mitrailleuses ce machin. Je vais me placer là. Le premier qui essaie de passer. Ah. C'est il y a un aileron de requin qui est passé à travers l'aile, hein, juste pour dire. C'est quand même mieux avec un pilote hein, pour partir. Mm-hmm. Quel camp. Ah, il fait des marches arrière, l'hydravion. Un petit créneau. Hop. Intéressant. Ah, il y a le code de l'hydravion aussi. Oui, écoute. Ah, c'est un code de pilotage, hein, c'est tout. Hop. Allez, hop, une petite cinématique. Ah, oh, elle est jolie celle-là. Par contre, je mets le trompettiste. Ah bon, ça fait 20 ans qu'il est sur sa putain d'île, il reste encore 20 ans de plus. Bon, on est sympa, on lui a laissé un canon, oui. Ouais. Ah bon, est-ce qu'il va arriver à s'en sortir avec ça? Oh, bah voilà, du coup. Ah, on l'a tous récupéré cette fois-ci. On va s'arrêter là, du coup. Donc voilà, cette vidéo vous a plu, blablabla, hein, j'aime, Facebook, commenter, etc., etc. Tout est dans la description de la vidéo, donc allez la voir. Donc voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband et Tiger. Ciao à tous. Pour vous servir, bye, peu de dire. Les mecs qui sont prisonniers ici, ils sont en sale état, hein. Hein ? Ils sont dans un sale état, les mecs qui sont prisonniers ici. Mais non. Qu'est-ce qu'il peut dire, ça ? Hein ? Qu'est-ce qu'il peut dire, ça ? Bah, on va repasser par l'eau. Bon, bah pour une fois, j'aurais pas tué quelqu'un, j'aurais attaché, ça marche aussi. Ah, il a vu les clubs, c'est mignon. Voilà. Fumez-tu, hein. On le répétera jamais assez.